Bienvenue sur la chaîne du biomimétisme, mardi 8 décembre 2020. On a une énorme journée à passer ensemble sur l'économie du biomimétisme, les startups, les innovateurs bio-inspirés qui changent la donne sur leur marché, dans leur secteur d'activité. Gros programme aujourd'hui avec quatre séquences. On va démarrer tout de suite avec une séquence start-up. Vous allez voir six belles start-up représentées très dignement à la fois en duplex vidéo et en plateau. On enchaînera avec évidemment la finale du Biomim Challenge. Cette année, vous verrez 10 finalistes pitcher tout à l'heure à 11h30. On enchaînera à 14h30 avec Biomim Invest, une émission spéciale sur les levées de fonds autour du biomimétisme, parce que le biomim, c'est aussi de la deep tech qui intéresse de plus en plus les investisseurs. Et puis, parce que c'est aussi une affaire de management et d'entreprise, on aura une belle émission à 16h30 pour parler de la façon dont le vivant, les écosystèmes, les organismes peuvent aussi inspirer nos comportements et nos façons d'organiser nos propres entreprises. Tout de suite, je vous affiche l'écran de nos six startups qui vont participer avec nous à 9h30 à cette émission Nouvelle Génération de Startups Bio-Inspirées. Et je demande tout de suite, pour me rejoindre sur le plateau, à Dominique Machefer pour Ecolife Group de venir sur le plateau, tout comme Laurent Maurice pour Push 4M ou Push 4Me, c'est comme on veut, et Harold Guillemin pour Phoenix. Donc vous voyez, c'est sympa. On va être à la fois en plateau et en duplex avec vous. Je sais qu'on a en duplex également Laurent de Crasto, Immunrise, qui est avec nous. Pierre Tufigo pour Elwave. Et également Marion Canalé pour Cearitis. Je veux bien qu'on les voit à l'écran un instant pour quand même qu'on se dise bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là pour cette belle émission sur les start-upers bio-inspirés. On va parler de plein de choses assez différentes. C'est ça qui est quand même assez génial avec la bio-inspiration. C'est qu'on a des innovations dans tous les secteurs d'activité, parfois qui finalement redessinent un petit peu des schémas industriels et des technologies pourtant très installées dans leur domaine d'activité. Ce que je vous propose, c'est que on va vous laisser vous présenter et présenter vos activités, mais on va démarrer dans l'eau avec des histoires de navigation. Pierre Tufigo, on va démarrer avec vous Elwave. On enchaînera avec toi Harold, si tu veux bien, Phoenix, et puis ensuite on aura une séquence avec Immunrise et Cearitis, et on terminera sur des aspects peut-être un peu plus industriels, je ne sais pas, mais avec Push 4M et Ecolife Group. Je veux bien, peut-être, Pierre Tufigo, qu'on vous entende nous dire bonjour, et ensuite, avant que vous nous expliquiez cette vision inspirée du champ électrique de certains poissons, je ne révèle pas trop, on verra une petite vidéo qui présente tout ça, et ensuite on reviendra vers vous, mais on vous laisse nous dire bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? Absolument. Eh bien, bonjour à tous. Pierre Tufigo, donc je suis le président de la société Elwave. Je présente en quelques mots la société ? Je veux bien, mais en 30 secondes, parce qu'ensuite on a la petite vidéo qui montre la technologie et ensuite on vous laisse plus de temps pour dérouler. D'accord. En 30 secondes, donc la société Elwave, on est basé à Nantes. La société a été créée en février 2018. Et donc, on valorise des travaux d'un laboratoire de biorobotique de l'Institut Mines-Télécom Atlantique, qui travaille depuis 2005 à peu près sur une technologie donc biomimétique qui s'appelle la technologie du sens électrique et qui est un mode de perception qui est utilisé par des poissons qui vivent dans les eaux tropicales très encombrées, très sales en Afrique et en Amérique du Sud. Et ces poissons ont une capacité particulière de perception de leur environnement, donc une détection électromagnétique. Et Elwave, on reproduit ce sens de ce mode de perception. Et grâce à ce mode de perception, on répond à beaucoup de besoins et beaucoup de lacunes industrielles dans la perception sous-marine, qui est aujourd'hui avec les caméras et les sonars. Ils savent faire beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout faire. Et on vient les aider à faire ce qu'ils doivent réussir à faire plus efficacement
beaucoup plus rapidement. Comment voir sous l'eau, là où théoriquement on ne voit pas avec des yeux tels qu'on les imagine normalement, et comment proposer, avec, j'ai compris, un travail en collaboration avec l'IMT et donc avec de la recherche, comment proposer des nouvelles offres dans des industries qui, pour l'instant, ne répondent pas à cet enjeu de vision en eau trouble. C'est Bon. ça. Merci Pierre. Si vous voulez bien, on regarde la petite vidéo parce que c'est assez bluffant et puis vous nous détaillez ça juste après. On envoie la vidéo. OK. Merci beaucoup. Détection électromagnétique, c'est assez fou ça. Vous créez une sorte de bulle de vision, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on crée une bulle électromagnétique et on obtient une image électrique de l'environnement. Donc, c'est le pendant, si vous voulez, du sonar, donc l'écholocation utilisée par les baleines, par exemple. Et donc là, au lieu de créer une bulle acoustique, on crée une bulle électrique. Et donc, en fait, on vient. Cette bulle électromagnétique, elle a un certain nombre de caractéristiques et de capacités bien particulières. En fait, on obtient une image en temps réel et à 360 degrés de l'environnement. Et on sait en particulier également détecter dans les sédiments, chose que font mal le sonar et que ne fait évidemment pas la vision. Et donc, on sait détecter les câbles, tout un tas d'objets, les épaves, tout ce qu'on veut, qui sont enfouis dans les sédiments. Et l'autre capacité très particulière du système, c'est de très faible encombrement. Et donc, ça nous donne en fait la capacité d'installer notre système sur des petits véhicules et sur des drones sous-marins, des véhicules autonomes. Et du coup, alors que les systèmes actuels, en particulier le sonar, sont des systèmes qui sont assez lourds et qui sont utilisables uniquement par les gros véhicules. Et donc, en fait, on apporte un complément à la perception par caméra et par sonar. Et on vient aider les opérateurs de ces véhicules sous-marins. On travaille dans le domaine des éoliennes offshore, dans le domaine de la défense, dans le domaine des inspections, de la maintenance des infrastructures portuaires, l'aquaculture également. Donc, tout un champ, tout un tas de secteurs industriels dans lesquels, en fait, ces technologies actuelles, la caméra et le sonar, ne répondent pas aux besoins. Et ce petit poisson-là, où il y a deux familles de poissons, ils vivent dans les eaux très troubles, très, très sombres, et ils ont développé donc ce système de ce mode de perception. Ils obtiennent une image électrique de leur environnement, justement parce que dans cet environnement, la vision et l'écholocation n'étaient pas efficaces. Je veux bien qu'on reste quelques instants sur ces poissons aspirants. Oui. C'est en les observant que vous avez eu l'idée, ou c'est en cherchant à résoudre le problème que vous avez cherché les poissons qui pouvaient trouver proposer de nouvelles solutions?
Donc en fait, ces poissons et ce mode de détection, il a été découvert dans les années 50. Et donc, il y a eu un certain nombre de travaux de recherche, hein, pour comprendre leur mode de perception. Et on va dire le début du biomimétisme, notamment un chercheur allemand qui s'appelle Van der Heemde, qui a commencé à passer de l'aspect biologique à l'aspect technologique. Et c'est dans les années 2000-2005 que en particulier le laboratoire de Nantes, qui est donc un laboratoire de biorobotique, s'est intéressé à ce sens électrique, ce mode de perception, pour répondre en tout cas en vue de répondre à des besoins industriels ou des besoins de détection. Donc en fait, il y a vraiment eu une appropriation du laboratoire dans un premier temps, par intérêt scientifique, c'est un laboratoire de biorobotique, et puis après par intérêt, on va dire, industriel. Et donc après, moi, j'ai créé la société pour valoriser industriellement cette technologie et répondre à des besoins qui étaient exprimés par les acteurs du domaine sous-marin. Oui, on comprend bien l'intérêt, on y revient dans une seconde. Donc le laboratoire à Nantes s'appelle IMT Atlantique, Oui, c'est en fait, ça? c'est le laboratoire de biorobotique de l'école. Donc l'école, c'est l'Institut Mines-Télécom Atlantique. Ouais. D'accord. Et ces poissons avec ce champ électromagnétique de vision sont très uniques ou c'est on va dire une technologie qu'on retrouve chez beaucoup d'organismes marins? Donc, non, cette technologie est très particulière. Il y a deux grandes familles en fait de poissons, une grande famille qui est en Afrique, une autre grande famille qui est en Amérique du Sud. Alors, ce qui est assez classique ou ce qui existe, c'est la perception des champs électromagnétiques. Donc, les requins savent faire ça, par exemple, avec ce qu'on appelle les ampoules de Lorenzi. Donc, ils perçoivent le champ électromagnétique. En revanche, ces poissons, ils ont une capacité très particulière, c'est que c'est eux qui génèrent leur champ électromagnétique, donc ils génèrent leur bulle électrique, et ils vont analyser les perturbations de ce champ, de leur propre champ qu'ils ont généré par l'environnement. Et donc, ils obtiennent une image électrique comme ça. Donc, et cette capacité-là d'un mode de perception actif, un peu comme les baleines, hein, ou les chauves-souris avec l'acoustique ou les ultrasons, cette capacité-là de générer son champ électromagnétique et d'en analyser les perturbations est quelque chose de tout à fait unique. Donc, deux grandes familles de poissons. Et ce qui est assez intéressant d'un point de vue, si vous voulez, biologique, enfin, évolution naturelle, c'est que ce mode de perception est apparu séparément dans deux continents différents. Donc en Afrique et en Amérique du Sud, sans qu'il y ait de migration d'une espèce vers une autre. Donc c'est vraiment en réponse à une même complexité environnementale, dont les eaux très boueuses en Afrique ou les eaux très boueuses en Amérique du Sud. Eh bien, l'évolution naturelle a conduit séparément deux grandes familles de poissons à trouver ce mode de perception. Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas tout simplement une vision adaptée à cet environnement trouble, encombré dont vous parliez tout à l'heure? Oui. C'est qu'en fait, ces poissons, là, dans leur environnement, la vision ne fonctionne pas du tout. Hein, l'acoustique non plus, parce que ce sont des milieux très encombrés de branchages, en très faibles eaux. Et donc, l'acoustique ne va pas fonctionner. Et donc, du coup, bah, l'évolution naturelle a conduit ces poissons à se doter de ce mode adapté à leur environnement. Merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la différence? Parce que on a des mots comme le sonar, évidemment, qui nous viennent spontanément en tête. On pense évidemment aussi à la chauve-souris avec sa capacité à se repérer dans l'espace. Entre votre approche, le sonar, on va dire du dauphin pour caricaturer, je suis désolé, et puis une vision du type chauve-souris, quelle est la différence? Donc en fait c'est un mode donc classique de perception d'un animal, c'est donc générer des ondes acoustiques, le son quoi, et donc c'est les baleines, les dauphins, les chauves-souris vont créer un champ acoustique, mais devant eux, donc c'est un système qui leur permet de voir devant eux, donc c'est ce qui est un angle de vision relativement limité. Et ces poissons, et dont le système L-Wave, c'est pas de l'acoustique, c'est de l'électromagnétique. Et donc on génère une bulle électromagnétique, un champ électromagnétique. Donc vous avez d'un côté de l'acoustique, de l'autre côté de l'électromagnétique, avec une capacité particulière que l'électromagnétique,
quand vous générez dans l'environnement, vous créez une bulle à 360 degrés. Donc, une des grandes capacités qu'ont ces poissons et que nous, on a par rapport au sonar, par exemple, ou même à la caméra, c'est qu'on peut voir simultanément devant, derrière, en haut, en bas, etc. D'accord, effectivement, c'est très clair. Et donc, sans avoir des yeux, ils ont des yeux derrière la tête, quoi. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Je suis désolé, je fais des raccourcis. Ils voient dans les sédiments, dans la vase aussi. Ils voient un peu partout, ces poissons. On va continuer la conversation. Juste deux ou trois dernières questions, si vous voulez bien, enfin, avant de continuer avec vous, avec nos autres invités. On est plutôt dans des applications sur des petits robots drones qui vont aller inspecter des espaces ou plutôt sur des équipements de bateaux? Alors, non, les principales applications, ça va être sur des robots sous-marins. Donc aujourd'hui, vous avez deux grands types, les robots téléopérés. Vous avez un pilote derrière son écran qui pilote, qui conduit à distance son robot, et les drones sous-marins, donc les véhicules autonomes. Ça, c'est vraiment les applications premières, en particulier parce que ce mode de perception, c'est un mode de perception qui est très efficace à courte et moyenne distance, quelques mètres à quelques dizaines de mètres, et donc qui est vraiment adapté au champ de vision nécessaire pour ces véhicules. Après, on peut également équiper des bateaux. Alors, on est sollicité pour détecter un cas d'application. Typiquement, c'est la détection des mammifères marins. Vous avez un assez grand nombre de problématiques de collision entre les bateaux et les mammifères marins, en particulier les baleines. Typiquement, dans les traversées Corse-Continent où il y a assez régulièrement des baleines qui sont percutées. Et il y a une grande difficulté à détecter ces baleines à assez longue distance. Et donc, un des cas d'application, c'est typiquement savoir détecter suffisamment tôt ces mammifères marins et donner le temps aux bateaux de les éviter. Bien sûr, ça, ça serait assez formidable. Ça pourrait éviter aussi à des navigateurs du Vendée Globe de rencontrer ce qu'on appelle des OVNI maintenant, des objets flottants non identifiés. Oui, donc ça, en fait, donc on est sollicité par les teams des trimarans ou des monocoques. Aujourd'hui, ces bateaux-là, ils utilisent, ils ont en tête de mât, ils ont un système de caméras, notamment des caméras infrarouges. Bon, en fait, c'est en particulier les baleines, toujours c'est ça qui percute en général. Ils sont évidemment sous la surface de l'eau, quelques mètres sous la surface de l'eau. Et ces systèmes-là, en tête de mât, ils vont bien percevoir les objets qui sont à peu près flottants, les billots de bois, des choses comme ça. Par contre, les mammifères marins ou des conteneurs entre deux eaux, c'est très difficile. Et donc, on est sollicité par ces teams-là pour voir si on peut équiper les monocoques et les trimarans de nos systèmes. Bon. C'est pas facile, hein. C'est oui. Un cas d'application assez complexe, mais on est actuellement en train de regarder ce cas d'application-là. En plus, donc, eux, ils sont... Avant des globes, on équipera les monocoques oui. De notre système. En plus, ils sont des navigateurs de haut vol, donc ils sont capables de réagir vite, parce que j'imagine oui, que tout ça doit se faire quand même pas mal en temps réel. Bon, c'est assez bluffant. On va revenir vers vous, Pierre, un petit peu plus tard, parce que c'est une approche de rupture. Alors, ça fera aussi un lien. Il y a un lien tout trouvé. On va en parler avec Harold Guillemin, parce qu'on va rester sur les bateaux et on va rester dans les navigateurs. Je sais que, Harold, tu as la chance d'être aussi accompagné et conseillé par Loïc Perron. Donc, on va rester sur la voile. Mais je fais juste un parallèle avec Laurent Maurice, nous parlera tout à l'heure de Push 4M. Mais là aussi, on est sur des approches, sur des technologies bio-inspirées qui ont l'avantage d'avoir des encombrements beaucoup plus faibles, généralement moins consommateurs d'énergie. C'est aussi votre cas, Pierre. On est sur une approche qui est à faible encombrement et faiblement consommatrice d'énergie. Oui, on est en gros, notre système, il fait 5 kg, 50 cm de long. Il consomme quelques dizaines de watts, 10-20 watts, ce qui est très peu par rapport au système concurrent, qui font une centaine de kilos à peu près. Qui consomme beaucoup plus. Et effectivement, en tout cas dans le biomimétisme, l'évolution naturelle conduit les organismes au sens large à être très peu consommateurs d'énergie, par nature. Faire du biomimétisme, c'est aussi aller chercher des solutions qui sont peu consommatrices d'énergie. Et du coup, ce qui est typiquement notre cas, en effet. Oui.
Absolument, c'est une caractéristique commune dans les innovations bio-inspirées parce que le vivant est économe en énergie. Merci Harold Guillemin d'être là. On va rester sur les bateaux. On va parler de propulsion parce qu'il paraît que chez les organismes vivants, pour naviguer dans l'eau, il n'y a pas d'hélice. Il n'y a pas d'hélice. Bonjour Alain, bonjour à tous. Effectivement, chez Phoenix, nous développons une nouvelle technologie qui remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson. Et donc avec ça, on fait face à un tas d'avantages, comme une sécurité maximale, hein, cette membrane qui se design sous cette forme, une forme de disque, comme tu disais, un 33 tours par exemple. Eh bien, c'est cette membrane qui ondule de la périphérie vers le centre. Excuse-moi, Harold, Oui. mais je suis un tout petit peu plus âgé et ça, c'est un 45 tours. Un 45 tours, pardon. On aura des designs un peu scalés à n'importe quelle échelle. Mais effectivement, on remplace l'hélice par cette membrane en forme de disque. Et en fait, cette membrane ondule de la périphérie vers le centre et propulse le fluide avec cette ondulation. Donc, sans aucune pièce en rotation, on arrive à propulser un bateau, un engin nautique. Pierre le disait tout à l'heure, effectivement, il y a toutes sortes d'applications utilisées par l'homme dans les océans, comme les drones, les ROV et tout ça. Effectivement, on va pouvoir remplacer les hélices à terme par cette membrane ondulante. Et alors là aussi, on est sur des gains de performance énergétique et un atout aussi vis-à-vis, on parlait d'anticollision de mammifères marins et d'organismes marins. Là aussi, quel est l'intérêt vis-à-vis de la biodiversité marine? Tout à fait. Eh bien, cette technologie vient des pompes industrielles et médicales. Et dans ces domaines-là, il est prouvé que cette technologie économise jusqu'à 30% d'électricité. Pourquoi? Parce qu'on ne mixe pas un fluide, on le propulse en ligne droite sur la membrane, comme le poisson, hein, il ne fait pas de, il ne mixe pas l'eau. Donc effectivement, on imagine pouvoir économiser en énergie avec cette super technologie, apporter un gain au niveau de la maintenance, parce que finalement, on n'a pas de réducteur, pas de vilebrequin, donc beaucoup moins de pièces à entretenir. Et on va pouvoir, avec cela, proposer des moteurs robustes, innovants et économes. On travaille actuellement sur un 5 chevaux. C'est notre premier produit, un 2 kW 100% électrique, dédié aux petites embarcations, annexes et voiliers jusqu'à 3 tonnes. On a le droit de le voir en avant-première Bien mondiale. sûr, c'est la toute première fois que l'on montre ce moteur. Voici notre teaser. C'est un moteur hors bord qui se fixe à l'arrière des bateaux aux mêmes emplacements que les moteurs hors bord qui existent déjà. Seule différence, eh bien, vous n'avez pas une hélice dans le pod, mais une membrane qui vient onduler comme une nageoire de poisson pour propulser le bateau. On est sur donc un moteur de 5 chevaux qu'on utilise où, quand, comment Alors ça, c'est un moteur 2 kW portable. Il fait un peu moins de 20 kilos. On est en train de le développer, hein, actuellement. La société est assez jeune. On a un peu moins d'un an et demi. Et on prévoit de le commercialiser au premier semestre 2021. Ce moteur sera utilisé auprès de partenaires comme des loueurs de bateaux, des locations sans permis, hein, pour une promenade sur un lac, en toute sécurité, avec un moteur silencieux, électrique et biomimétique. Bon, bravo, oui, l'entreprise est jeune. Un an et quelques, c'est Un ça? an, un an et demi, voilà. Vous êtes accompagné par des écoles, des industriels. Comment ça se passe? Vous avez, je crois, déjà eu des prix, Tout à levé des fait, fonds. tout à fait. Nous sommes incubés à Centrale Supélec et à l'ESSEC, qui nous soutiennent beaucoup sur tout cet aspect entrepreneurial. Et également, nous avons réussi à clôturer une levée de fonds en début d'année pour un budget global de 900 000 euros, un peu plus de 900 000 euros, pour financer justement le développement de ce moteur et jusqu'à sa mise sur le marché. Comme tu le disais, on est également parrainé par Loïc Perron, hein, le grand navigateur que tout le monde connaît, et qui nous conseille énormément sur cette technologie, le design de ce moteur, son ergonomie, etc. C'est pas rien, il s'y connaît, Loïc Perron. Un peu. On a évidemment observé depuis
10 ans maintenant, une transition énergétique dans l'automobile, avec évidemment les motorisations électriques. On n'a pas vu dans le nautisme cette même transition ces 10 dernières années. Est-ce que Phoenix peut aider à cette transition énergétique aussi ? Phoenix aidera à cette transition, c'est clair, avec cette technologie hyper innovante. Il faut savoir que le nautisme est un domaine qui innove peut-être un peu plus tard par rapport à l'autonomie, à l'automobile. Effectivement, dans l'automobile, les questions d'autonomie sont certes hyper pertinentes, mais en mer, ça l'est encore plus. Si vous tombez en rade à même un kilomètre des côtes, eh bien, c'est tout de suite très, très compliqué. Donc finalement, on s'appuie sur l'innovation qui est portée par l'automobile sur l'électrique pour eh bien, adapter cette motorisation électrique au domaine nautique. Merci beaucoup, Harold. On va revenir vers toi un peu plus tard. Juste une réaction. Pierre, est-ce que vous connaissiez cette approche issue de l'ondulation marine ? Est-ce que vous connaissiez la start-up Phoenix ? Oui, je connais, oui. On voit régulièrement là, sur les réseaux sociaux et dans les médias Phoenix. Donc oui, je connais pas Harold personnellement, mais je connais Phoenix. Ouais. Bon, je suis de loin un peu le Il y a pas mal d'innovations bio-inspirées qui peuvent rendre service aux bateaux et à la navigation à travers la motorisation, les systèmes de champs électromagnétiques et de vision tels que Pierre Tufigo les a décrits avec L-Wave. Il y a aussi des revêtements anti-fouling, il y a tout un tas d'approches en allègement de matériaux aussi qui sont intéressantes de ce point de vue-là. On va continuer, bien entendu, les uns et les autres. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez pour commenter les innovations et les parcours entrepreneuriaux aussi. Qui sont présentés ici. Mais on va passer de la mer à la terre avec une transition assez évidente avec vous, Laurent de Crasto, avec Immunrise. Parce que ça, c'est quand même étonnant. Vous êtes inspiré d'une micro-algue pour protéger des vignes. Alors, c'est formidable parce que quand la mer protège la terre, et un truc qu'on aime bien quand même, qui sert à produire du vin, notamment en France, c'est assez étonnant. Et il se trouve que on en parlera aussi avec Marion Canalet. Il y a une vraie tendance émergente aujourd'hui à des innovations inspirées du vivant pour proposer des alternatives aux produits phytosanitaires. Donc j'imagine que c'est votre cas. Mais d'où est venue l'idée d'aller chercher une micro-algue pour protéger des vignobles ? Bonjour Alain, bonjour à tous. Écoutez, en fait, pour répondre à votre question, la paternité de cette idée d'aller chercher au fond de l'océan des solutions de demain pour l'agriculture, on la doit à Lionel Navarro, qui est cofondateur d'Immunrise, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est chercheur à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris, et qui a eu cette idée, effectivement, d'aller rechercher dans le patrimoine génétique et la biodiversité marine, notamment au niveau des micro-organismes, et principalement des micro-organismes en mer, ce sont les micro-algues qui la représentent, pour une raison simple, selon lui, qui était que la vie étant apparue sur Terre, dans l'océan, par des organismes photosynthétiques, c'était donc a priori les ancêtres des micro-algues. Et donc, ça fait des micro-algues, les habitants de la planète qui sont là depuis le plus longtemps, par rapport à tous les autres organismes vivants, les animaux et notamment les plantes et les animaux terrestres. Et de ce fait, elles ont un patrimoine, un legs génétique qui est plus important, a priori, que les autres. Donc sur cette idée-là, il a été vérifié, et comme c'est un généticien averti, il a pu effectivement valider le fait que le patrimoine génétique des micro-algues, même s'ils sont des organismes extrêmement petits, hein, ça fait quelques microns, des millièmes de millimètres, pour donner un ordre d'idée, eh bien, le patrimoine génétique des micro-algues est extrêmement important. Et il y a notamment beaucoup d'ADN noir, c'est-à-dire un ADN qui n'est pas forcément lu, qui n'est pas forcément exprimé, mais dans lequel ces micro-algues peuvent aller puiser si elles ont besoin de se protéger notamment contre l'environnement
puisque l'environnement marin pour une microalgue, c'est un environnement qui est extrêmement changeant. Nous, on a l'habitude de vivre sur un climat ou sur une zone qui est à peu près, qu'on maîtrise, même s'il y a des saisons, mais même les saisons sont cycliques. En mer, une microalgue ne peut pas se déplacer comme un mammifère marin, on en parlait tout à l'heure avec Pierre. Une microalgue, elle va être sujette aux variations des courants, et donc les changements de pression, de lumière, de température, de salinité font qu'elle a besoin, pour résister à tous ces paramètres chimiques, physico-chimiques, d'avoir des solutions génétiques, notamment en elle. Et c'est sur cette biodiversité-là qu'on a été chercher des solutions pour lutter contre les champignons parasites des plantes. D'accord, on y arrive. Donc là aussi, pardon Laurent, mais si vous pouviez essayer de ne pas bouger. Je sais bien qu'on est en mer, mais là, on navigue un peu avec vous. Là aussi, c'est parti d'une approche, d'une collaboration avec de la recherche, avec un laboratoire de recherche. Oui, absolument Alain. On est en fait en partenariat avec l'Institut de biologie de l'École normale SUP, que dirige notamment Lionel Lavarro. On a créé donc cette société en 2015, qui est donc une spin-off de son laboratoire. Et on a mis en place un service de screening de microalgues, où en fait on va prélever des microalgues dans l'environnement marin, dans l'espace naturel. On essaye de les élever, parce que ça ne marche pas tout le temps. Il y a des microalgues qui sont assez compliquées en fait, à élever ou en tout cas à produire de manière artificielle. Et celles en tout cas qu'on arrive à prélever, on va screener, donc on va vérifier si elles ont des actifs d'intérêt qui peuvent être utilisés en agriculture, notamment, effectivement, comme vous l'avez bien dit, pour remplacer les pesticides qui sont aujourd'hui principalement chimiques de synthèse. Mais en fait, si on regarde dans la nature, et notamment au sein des microalgues, il y a une diversité de molécules qui n'ont jamais été mises en contact avec les champignons terrestres et qui peuvent avoir des effets létaux sur ces champignons, sur ces maladies, et donc qui permettent, in fine, de protéger les plantes et de remplacer les pesticides chimiques. Mais oui, parce que les microalgues, alors on comprend que ça doit représenter quand même un certain volume. Vous parlez d'une phase de screening, mais ces microalgues, a priori, n'ont jamais rencontré les champignons des vignes dans leur vie marine. Et donc, pendant un certain temps, vous avez cherché les bonnes caractéristiques, les bons principes actifs, les bonnes molécules pour rendre ce service-là. Et ensuite, vous êtes passé sur des phases d'expérimentation. Enfin, ça a été assez itératif, j'imagine. C'est ça. Alors, il y a... En gros, il y a deux grandes méthodes. Enfin, en tout cas, la première méthode, c'est d'aller un peu au petit bonheur la chance pour identifier des dizaines, voire des centaines ou des milliers de microalgues. Une autre méthode, et c'est celle qu'on a plutôt privilégiée au sein d'ImmuneRise, c'est vraiment de faire des recherches biblio, de travailler sur des familles de microalgues pour identifier celles qui pouvaient avoir une richesse d'actifs potentiels et donc, je dirais, de guider quand même un tout petit peu nos recherches plutôt que de le faire de manière très randomisée. Alors, on va vous écouter sur les applications, sur là où vous en êtes aujourd'hui, mais c'est intéressant aussi votre parcours et votre histoire pour toujours continuer à faire la pédagogie de la continuité de la bio-inspiration, du biomimétisme, etc. C'est-à-dire que là, on est parti d'une approche bio-inspirée pour arriver à une forme de, comment on va appeler ça, de bio-assistance, de bio-contrôle. Quels sont les mots que vous utilisez ? Vous l'avez dit, ça s'appelle le bio-contrôle. Donc le bio-contrôle, c'est une notion qui est pour l'instant portée par la France au niveau européen et qui regroupe, si vous voulez, l'ensemble des produits naturels, biologiques et biodégradables qu'on est susceptible d'utiliser pour protéger nos cultures. Donc ça a la même fonction que les pesticides chimiques, sauf que la nature de ces produits n'est pas d'origine synthétique, elle est au contraire d'origine naturelle, et étant naturelle et biologique, elle est aussi biodégradable. Ce qui fait que en agriculture, on a des intrants qui sont bio-sourcés et qui ne vont pas laisser de résidus dans les produits qui vont être consommés ensuite, ou aussi dans l'environnement qui est
le support sur lequel on a ces cultures. Donc, on a ensuite, ces produits-là sont de toute manière traités par la même directive européenne des produits phytosanitaires. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un produit naturel qu'il est forcément sans danger. Et donc, à ce titre-là, il doit être traité de la même manière qu'un produit chimique. En revanche, ce qu'on observe, je dirais de manière empirique, c'est que les effets sur les insectes, sur les abeilles, sur la microfaune du sol, par exemple, est quasiment nul. Enfin, vous n'avez pas d'effet néfaste sur l'environnement. Et comme vous n'avez pas de résidus de toute façon dans les fruits et légumes qui sont produits, vous n'avez pas de souci non plus de santé derrière pour le consommateur. Très, très important ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est bio-inspiré ou issu du biomimétisme que c'est nécessairement vertueux. Hein, tous les champignons ne sont pas comestibles, je le rappelle. Et ce n'est pas pour autant que ça se dédouane des procédures de contrôle. Concrètement, aujourd'hui, vous en êtes où en termes d'expérimentation et d'application? Je crois que vous avez déjà des résultats plutôt encourageants sur certains vignobles. Oui, en effet. Alors nous sommes basés à Bordeaux, donc c'est vrai que pour travailler sur la vigne, c'est pas mal. Ça tombe bien. Alors c'est une algue qu'on a identifiée en 2016, qu'on a commencé à produire aussi. Alors juste une parenthèse avant de parler des cibles, mais le biomimétisme pour nous, c'est l'identification de la souche de microalgues, bien évidemment, mais c'est aussi la manière de la produire, puisque il faut qu'on la produise en quantité quand même beaucoup plus importante que celles qu'on trouve dans la mer, dans l'eau de mer. Donc, on doit aussi copier, si vous voulez, les meilleures conditions pour que cette algue puisse, les conditions naturelles pour que cette algue puisse se reproduire et atteindre des densités suffisamment importantes pour qu'on puisse récolter une biomasse de microalgues suffisante pour pouvoir ensuite traiter les hectares dont on parle. Pour en venir à votre question, les essais ont démarré en 2017, donc ça fait déjà bientôt 4 ans. On a ciblé principalement la vigne, puisque c'est une culture qui est très importante dans la région, évidemment. On est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, on est soutenu aussi par les vignerons girondins, et cognassais. C'est une culture qui a besoin aussi d'effectuer sa transition, elle a besoin d'innovation, et c'est une filière qui veut changer, qui veut se passer au maximum des produits chimiques. Et donc là, cette année, c'est-à-dire en avril 2021, on va démarrer la quatrième saison de traitement. Formidable. Et c'est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on avait chargé de mission Croissance Bleue, Biomimétisme, hier, Maïder, avec nous sur le plateau. La région Nouvelle-Aquitaine est partenaire du Biomexpo. Donc c'est intéressant aussi de rappeler que des innovateurs bio-inspirés comme vous, comme Immunrise, intéressent aussi les régions qui les hébergent. Et les régions s'intéressent aussi de plus en plus au biomimétisme. On va revenir vers vous, Laurent, un peu plus tard. Je voudrais qu'on accueille Marion Canalet pour Cearitis. Marion, qui était lauréate du Bioim Challenge 2017, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est super sympa de vous retrouver, Marion, parce que vous avez parcouru un certain chemin depuis et qui n'est pas terminé, qui s'ouvre sur de belles perspectives. Vous intéressez à la protection de l'olivier. Je crois qu'il y a des raisons familiales derrière ça. Et là aussi, on est sur une forme d'approche un peu hybride entre bio-inspiration et biocontrôle. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir partagé à chaque fois de revenir et de participer à la Biomim Expo. Donc oui, nous, on a été lauréate en 2017 déjà. Et en effet, voilà, donc sur l'olivier tout d'abord, parce que c'était nos grands-pères. Donc avec mon associé, nous sommes deux à porter Cearitis. Et c'était nos grands-pères, en fait, qui étaient oléiculteurs et qui ont vécu, voilà, cette problématique de ravageurs et, entre autres, la problématique de la mouche de l'olive. Et un peu aussi, voilà, pour remplacer les insecticides. Nous, c'est pas vraiment des pesticides, c'est insecticides, vu qu'on cible les ravageurs. On voulait trouver un moyen de lutte, de biocontrôle pour finalement pallier un peu les pertes de rendement, les pertes de récolte que subissent chaque année les oléiculteurs de France et d'Europe.
Et j'enchaîne directement sur la présentation de la société, peut-être. Mais absolument, mais c'est toujours intéressant de savoir où ça commence. Mais effectivement, comment est-ce qu'on peut protéger des oliviers en s'inspirant de certains insectes ? C'est ça. Alors, la société est créée depuis mars 2020, donc c'est tout récent, mais le projet Anté-Création existe depuis un peu plus longtemps. Et si vous voulez, en fait, ça a été d'abord un projet d'école que j'ai initié dans mon école d'ingénieur subbiotech en région parisienne. Et c'est là, pendant donc mon cursus, qu'on a pu s'intéresser un peu à la problématique de la mouche de l'olive et surtout à voilà, comment émettre les premières hypothèses scientifiques auxquelles on voulait répondre. Et donc nous, la bio-inspiration, on l'a trouvée directement avec le ravageur, en fait. On s'est aperçu que la mouche de l'olive et plus généralement tous les ravageurs, enfin la plupart des ravageurs agricoles, sont attirés naturellement par la plante hôte dans laquelle les femelles vont venir pondre leurs œufs. Et ça, ce phénomène, il s'explique tout simplement parce que la plante hôte émet elle-même des substances attractives. Et ces substances attractives, ça s'appelle des médiateurs chimiques. Et ces médiateurs chimiques, du coup, ils indiquent à distance la présence de l'hôte. Donc là, on a des premières interactions naturelles et attractives qui existent. Et en plus de ça, nous, on a identifié des interactions répulsives cette fois-ci. Donc, le ravageur, une fois qu'il a déposé son œuf, une fois qu'il a déposé sa larve, il va laisser une trace répulsive sur le fruit. Et c'est cette trace répulsive qui va indiquer au congénère, cette fois-ci, que le fruit est déjà occupé par un futur insecte, donc par une larve. Donc, ce n'est pas la peine de venir pondre une deuxième fois dans le même fruit. Donc, ça, c'est la partie répulsive. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est justement identifier les molécules, les molécules chimiques, les médiateurs chimiques qui sont responsables de cette attraction et de la répulsion, et de les intégrer dans un système automatisé, cette fois-ci. Pardon Marion, mais ça veut dire que vous créez une espèce de fausse pancarte qui dit c'est occupé. Exactement, c'est ça, c'est une barrière en fait, tout simplement. Ah, moi, il me faut des trucs simples. Ah, mais c'est exactement ça, c'est très bien résumé. Nous, ce qu'on veut faire, c'est concrètement sur la parcelle, c'est diffuser cette molécule répulsive qu'on a identifiée, donc pour vraiment exactement indiquer que toute la parcelle d'olivier est occupée. Et en plus de ça, nous, on perd pas de vue les premières interactions attractives et on installe des pièges à l'extérieur des parcelles pour attirer les insectes déviés. Parce qu'une fois qu'elles ne vont plus pondre, du coup, c'est évidemment des femelles dans la parcelle, il faut bien les attirer autre part, sinon elles vont aller dans la parcelle du voisin et ce n'est pas très sympathique pour les relations entre voisins. Ah oui, oui. Alors attendez, vous pouvez revenir une seconde là-dessus, c'est-à-dire que vous protégez des oliviers en faisant croire que c'est déjà occupé et que ce n'est pas la peine de venir pondre. Mais donc, comment vous faites pour les orienter ailleurs ? Eh bien, alors, c'est tout le challenge auquel on veut répondre. C'est qu'on installe des pièges. En fait, déjà, la diffusion, ce qu'on veut faire, c'est de l'automatiser un maximum pour réduire la pénibilité et le temps du travail de l'agriculteur. Donc, ça va être automatisé. Donc, on a d'abord identifié que les mouches de l'olive pondait très tôt dans la journée, comme la plupart des ravageurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va massivement diffuser très tôt le matin le répulsif et on va, à l'extérieur des parcelles, donc enclencher notre piège attractif et diffuser cette fois-ci beaucoup plus. Si vous voulez, la solution sera beaucoup plus concentrée que ce qu'on aurait naturellement, que ce que l'olivier aurait émis naturellement. Et ça contrebalance le côté attractif de l'olivier, déjà parce qu'on a 1000 répulsifs et en plus parce qu'on a nos pièges diffuseurs qui diffusent beaucoup plus fort. Ok, donc une pancarte s'est occupée, puis une autre pancarte déviation, si je continue exactement, à résumer. Exactement, déviation-attraction. Bon. Laurent de Crasto, si vous êtes encore là, juste un mot de votre part. Vous êtes aussi sur des approches qui tendent à piéger un peu avec des émissions de messages, un peu comme des leurres, etc. Ou c'est vraiment une autre approche, Immunrise ? Alors nous, on n'est pas vraiment dans l'approche de Marion, qui elle est plutôt sur cette approche de médiateur chimique. Mais effectivement, comme elle a très bien dit, c'est aussi du biocontrôle, c'est-à-dire l'interaction avec les phéromones des insectes, c'est aussi ça fait partie de la lutte biologique, en fait, et ça fait partie du contrôle. Alors, Immunrise, nous, on est sur en l'occurrence, on a identifié une microalgue qui synthétise naturellement
une molécule. Et cette molécule a la particularité de se fixer très facilement aux membranes cellulaires des spores des champignons. Donc, les spores des champignons, c'est l'équivalent des œufs des champignons. Donc, les spores vont, au lieu de germer, naturellement sur la feuille de la plante, eh bien, elles vont être détruites par cette molécule naturelle qui a été synthétisée par la microalgue. Et ensuite, cette molécule va se dégrader dans les 5 à 6 jours, dès lors qu'elle est mélangée à de l'eau et qu'elle tombe sur le sol. Voilà, donc on est sur un mode de protection qui est ce qu'on appelle les produits de contact. Donc on doit pulvériser en fait les feuilles avec cette microalgue et ensuite on laisse la nature et la réaction biologique se faire. D'accord. Merci beaucoup. Marion, on vous laisse une minute, on reviendra vers vous, mais on vous laisse une minute si vous voulez nous dire un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, quelles sont les perspectives 2021. Alors aujourd'hui, donc, on veut concevoir notre deuxième plutôt prototype, parce qu'on en a déjà fait un petit, deuxième prototype de piège diffuseur. Donc là, on est en train de voir avec des potentiels fournisseurs, on est en train de lever des fonds pour évidemment financer le développement, pour que l'objectif, c'est voilà, une fois qu'on a notre piège diffuseur, la diffusion répulsive, qu'on puisse installer évidemment ça sur le terrain pour des premiers essais sur parcelle oléicole en juin prochain. Génial, merci. Bien, écoutez, on suivra ça. On revient vers vous. Alors, l'objectif, comme toujours, de BioM Expo, c'est de montrer plein de choses. On a envie à chaque fois de prolonger avec chacun de vous, mais maintenant, le contact est pris. Continuez à vous renseigner sur les uns et les autres sur le site éphémère de la BioM Expo Digital Week ou sur la plateforme biomexpo.com, puisque toutes les informations sont là. Je me tourne vers Laurent Maurice pour parler de Push for Me, de Push 4M. Là, on va être plutôt sur de la machine, de la puissance, de l'industrie. Et alors, c'est assez étonnant. Vous allez nous expliquer ça avec une interview de Nicolas de Lucie qui a conçu ça et avec quelques diapos. Mais il paraît qu'on est plus fort que des vérins hydrauliques. C'est possible, ça? Ah, plus fort, ça dépend du dimensionnement. Même dimensionnement, on est clairement. Alors, j'aime pas bien le terme plus fort directement parce que c'est. On a l'impression que ça fait les choses de la même manière alors que ça les fait de façon très très différente. Mais si vous voulez, juste pour faire un petit parallèle, vous prenez un éléphant par exemple. Un éléphant, une remarquable production de la nature. L'éléphant, finalement, il fait à peu près le même travail qu'un tractopelle dans une journée. Et il consomme à peu près le même volume de carburant. Sauf qu'il y en a un qui consomme du pétrole et l'autre qui consomme du foin. Donc forcément, c'est un petit peu différent. Non, la nature est une remarquable source d'inspiration. Et pour revenir sur Push 4M, Push 4Me, c'est avant tout, une très très belle histoire, et l'histoire de Nicolas de Lucie, qui est l'inventeur de la technologie. Nicolas est un ingénieur qui est devenu kinésithérapeute par passion. Je ne sais pas s'il y en a deux dans le monde, mais il y en a au moins un. Et il n'a jamais perdu son âme d'ingénieur. Et pendant 25 ans, il a eu en face de lui différents corps qu'il a manipulés, évidemment, et avec toujours cette question, mais comment ça marche? Et un jour, ça a fait tilt, et ça a donné naissance à Push 4M. On va peut-être le voir en interview. Alors, si je faisais ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est parce qu'on parle du muscle biomimétique. On regarde l'interview de Nicolas et on revient vers vous. Bonjour, je suis Nicolas Lucie, président de Push 4M. Comme vous le savez, la nature est une source inépuisable d'inspiration. C'est d'ailleurs l'ingéniosité et les pouvoirs des muscles humains qui sont à l'origine de notre invention. Grâce à ma double formation en génie civil et en kinésithérapie, j'ai pu observer durant 44 000 séances de rééducation les caractéristiques des 650 muscles qui nous permettent de tenir debout et de bouger. Après 5 ans de recherche et de développement, nous avons conçu un prototype du muscle biomimétique qui met en lumière cette invention. Réalisé à partir d'un matériau biosourcé ultra résistant, il est fabriqué dans les nouvelles imprimantes 3D extrêmement performantes. Notre muscle, qui est breveté, révolutionne les bras de levier utilisés dans de nombreux secteurs tels que la robotique, les engins de manutention, les travaux publics. Nous ambitionnons que les acteurs de la robotique et les industriels accèdent à ce composant non énergivore et qui améliore grandement la sécurité de l'homme vis-à-vis de la machine.
Mais oui, parce qu'on ne le rappelle jamais assez, mais l'homme fait partie du vivant et donc l'homme est aussi une source de bio-inspiration pour des technologies innovantes. 650 muscles, c'est fou. On revient vers vous, Laurent, et on verra dans quelques secondes des images du produit. Allez-y. Oui, complètement. Je pense que c'est important de pouvoir toucher du doigt ce qu'on a fait de cette analyse du muscle. L'idée géniale de Nicolas, à un moment donné, de se dire mais pourquoi le muscle gonfle ? Dans la littérature scientifique, ce point avait été occulté. D'ailleurs, il était mis en avant comme quoi il était occulté. Et ça a été vraiment le point de départ. Donc, et le muscle gonfle effectivement, et c'est en tirant ce fil que Nicolas a pu donner naissance au fameux muscle biomimétique dont on va voir à quoi il ressemble. Alors là, on voit une photo de vos slides, et voilà la petite vidéo. Push4M est une société qui développe un muscle biomimétique qui est parti d'un constat que la manutention et la robotique développent des efforts énormes ou sont énergétiquement très énergivores pour des levées de charge à sécuriser qui sont toujours très faibles par rapport à leur poids machine. Pour pallier à ça, en copiant le muscle humain qui est naturellement très peu énergivore, au moins 1000 fois inférieur à une consommation d'une machine, nous avons développé une mécanique grâce à l'impression 3D qui, au lieu de tirer, va pousser. Ce changement, cette rupture dans la transformation énergétique de l'effort permet d'avoir des petits moteurs et d'avoir en revanche une très grande sécurité de maintien et de descente de charges lourdes. Cela permettra à l'avenir de proposer aux intégrateurs un ensemble d'actuateurs qui vont permettre de diminuer le poids des machines et d'augmenter leur efficience et leur consommation d'énergie. Chez AirPro, on est vraiment très content de collaborer avec Push4M. C'est une belle rencontre, un vrai challenge. Nicolas Delucy, cet inventeur de génie qui révolutionne vraiment l'actionneur avec son muscle, nous a demandé en fait d'imprimer en 3D avec un matériau biosourcé son mécanisme qui représente 650 éléments imbriqués et articulés les uns entre les autres. Donc voilà, c'était vraiment pour nous une prouesse de réaliser ça et on est très fiers chez AirPro de pouvoir suivre Push4M et de les accompagner. Très étonnant. Alors attendez, Laurent Maurice, faut nous expliquer là, parce que ça consomme 1000 fois moins d'énergie, c'est moins encombrant, on pousse plutôt que tirer. Racontez-nous un petit peu comment ça marche, comme dirait Michel Chevalet. Ah, comment ça marche ? On ne va pas livrer tous les secrets de fabrique. Hein. Vous avez compris, il y a 650 pièces qui sortent en impression 3D directement assemblées. Ça, pour le coup, c'est aussi une première mondiale et avec des matériaux biosourcés. Donc on est biomimétiste jusqu'au bout, on va dire. Mais effectivement, on utilise aujourd'hui encore des moteurs classiques, mais les moteurs, au lieu de tirer et de faire leur travail comme ils le font classiquement, en fait, ils compressent ou décompressent le fameux muscle biomimétique. Et ce muscle, il gonfle et il se dégonfle en fonction de l'action, de l'action du moteur. En fait, il n'y a rien de magique dans tout ça. On ne crée pas d'énergie. En revanche, on la transforme d'une façon complètement différente et qui produit un certain nombre d'avantages absolument majeurs. Si je parle aujourd'hui du marché de la robotique, on a quelques grands problèmes. Ce qui a été fait est absolument génial. Mais le marché, son développement se heurte à quelques problèmes absolument majeurs qui sont les robots sont très lourds. Ils consomment beaucoup d'énergie. Puis quand vous avez un robot qui rencontre une tête, généralement, il arrache la tête. Et puis après, il y a les alarmes qui s'agitent de partout, qui disent « Oups, excusez-moi, je vous ai arraché la tête. » Qui rencontre une tête, c'est-à-dire quand vous avez une machine, vous avez toujours des opérateurs qui traînent autour. Et des accidents, malheureusement, il y en a un certain nombre. Une tête humaine, vous voulez dire ? Ah oui, pour éviter les accidents. Oui, j'étais sur un forêt, non, sur une tête. Non, on parle vraiment d'une tête humaine. Et c'est quand vous avez un humain, par exemple, sauf si vraiment vous avez des intentions très agressives, mais si vous vous déplacez normalement, vous rencontrez un obstacle. Votre voisin, par exemple, que vous n'avez pas vu, vous vous arrêtez.
Et après, vous dites, bah, si vous ne l'aimez vraiment pas, vous remettez de l'énergie pour pouvoir le bousculer. Mais si c'est juste un accident, bah, votre muscle lui-même s'est déformé et vous arrêtez. Le muscle push-4M, c'est exactement la même chose. En fait, quand il arrive face à une résistance, ah, il se dit, ah, j'ai plus la force pour pouvoir augmenter, pour pouvoir déplacer ce que je rencontre. Donc, je m'arrête. En fait, non, il ne s'arrête pas. Il se déforme. Mais le temps de se déformer et d'augmenter la force qu'il a au bout, eh bien on a le temps de faire plein de choses. Et du coup, ça change absolument tout en matière de sécurité. On comprend bien. En termes d'application industrielle, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples pour qu'on essaye de visualiser les choses ? Oui. Alors c'est tous les exemples, en fait, ils sont extrêmement nombreux. On a un marché qui est absolument colossal, puisque finalement, tous les bras de levier du monde de la robotique, du monde de la manutention, sont potentiellement des applications. Alors évidemment, le monde de la robotique, on est aujourd'hui à 30 milliards. On devrait passer dans quelques années une centaine de milliards. Prenez la manutention, c'est encore pire. Le BTP, on est à 1000 milliards par an. Donc, on a un marché qui est absolument phénoménal. Simplement, vous avez raison, on ne va pas essayer d'aborder tout en même temps. On va se focaliser sur quelques usages. Et ces quelques usages, on en a dans le BTP, des engins de manutention avec des bras de levier. Vous avez des usages aussi qui sont, que l'on a dans le domaine de la marine. Vous prenez l'exemple d'une descente d'un canot, par exemple, ce qui est quelque chose d'assez compliqué dans la marine marchande. Vous avez des gens âgés qu'il faut évacuer parfois de temps en temps. Donc là, on a vraiment un usage qui est assez intéressant et qui met en avant quelque chose de très particulier au muscle push 4M. C'est qu'en montée, vous l'avez dit effectivement, on a des gains énergétiques sur le travail à faire qui sont absolument colossaux. En descente, c'est encore pire. En descente, ce n'est pas le moteur qui supporte la charge. C'est le muscle lui-même. Le moteur, il sert simplement à déformer le muscle qui, lui, prend la charge et la descend tout doucement. Ce qui fait qu'on peut tout à fait descendre un canot qui est extrêmement, extrêmement lourd avec une simple manivelle à la main. Même pas besoin de moteur derrière. Après, vous avez tout ce qui est picking. Quand vous êtes dans un centre de tri, par exemple, vous avez des machines qui vont prendre un colis et puis le ranger à sa place ou l'inverse. Ce sont des applications qui demandent beaucoup de précision et beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup d'accidents dans ce genre d'usage. Donc là, le muscle est parfaitement adapté. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait... Ce sont différents volumes de machines selon les usages. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, des formes d'aide à la manutention, façon exosquelette, etc. Enfin, je veux dire, c'est un appui, c'est un démultiplicateur de force humaine aussi, où on est vraiment dans de l'industrie lourde pour lever de très lourdes charges avec de l'économie d'énergie à la clé. Vous avez raison de parler de l'exosquelette. Alors, je ne l'ai pas cité parce qu'on n'est pas dans des usages là tout de suite maintenant. Et nous sommes quand même aussi une entreprise commerciale, donc il faut aussi qu'on gagne notre vie à court terme. Mais ça fait partie des sujets qui sont dans les cartons à moyen terme, des sujets qui intéressent énormément de monde. Et c'est vrai que le muscle push 4M fonctionnant d'une façon assez proche de celle du muscle humain, finalement, on peut se passer de grosse partie de l'intelligence artificielle que l'on peut avoir dans les exosquelettes qui existent aujourd'hui, et donc avoir quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus efficient. Donc évidemment, ça fait partie des usages qui sont envisagés à moyen terme. Bon, merci beaucoup Laurent. Finalement, on vous a écouté. Je ne sais pas si vous aviez prévu des diapos. Je ne sais pas s'il y a une diapo que vous voudriez nous montrer parmi les diapos que vous avez prévues ou si on enchaîne avec Dominique Machefer. Non. Mais simplement, peut-être juste là où on en est au niveau de notre développement. Oui. Aujourd'hui, on a eu une vingtaine de prototypes qui ont déjà été mis en œuvre et qui ont permis de mieux connaître la technologie et ses deux avantages principaux qui sont la consommation énergétique, notamment par un dimensionnement beaucoup moins important, et la sécurité, comme on en a parlé. Aujourd'hui, on est dans une phase où
on se focalise sur deux ou trois usages précis qui ont pour objectif d'aboutir sur le marché assez rapidement. Et sur ces deux ou trois usages précis, on a déjà un certain nombre de partenaires, mais on est toujours en recherche de partenaires qui veulent utiliser la technologie pour leurs propres besoins derrière. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire que le bon partenaire est celui qui s'investit réellement dans la chose. Qui s'investit et qui investit, c'est bien aussi. Quels sont les deux, trois partenaires ou les deux, trois secteurs industriels d'activité un peu idéaux pour 2021 pour le développement de Push 4M? Allez-y. Mais on a tout ce qui est manutention. Donc il y a effectivement plusieurs choses. Et la manutention, on peut la retrouver dans le monde du BTP. Effectivement, toutes les machines-outils que l'on peut avoir dans le monde du BTP, pour nous, nous intéressent beaucoup. Et on peut apporter énormément à ces gens-là. Après, il y a tout ce qui est chargement, déchargement de choses. Donc on a dans le domaine du rail et du fret des choses en cible. Mais il y a beaucoup d'autres usages derrière ça. Et puis c'est vrai, nous sommes quand même en Bretagne, donc on aime la mer aussi. Et on a un certain nombre d'usages en vue de dessus, et notamment, notamment des, nous sommes en discussion avec la Marine nationale sur des sujets que je ne révélerai pas pour des raisons bien évidentes. D'accord, bah écoutez, très intéressant et étonnant. C'est toujours étonnant de voir que... On a parfois sous les yeux, en matière de biomimétisme, des approches, des astuces, des technologies. Mais je ne sais pas pourquoi on est passé à côté. Harold, tu as une idée? Pourquoi est-ce qu'on est passé à côté de l'ondulation? Pourquoi est-ce qu'on est parti sur des technologies comme l'hélice, il y a, j'imagine, 100 ans ou 150 ans? Pourquoi est-ce qu'on découvre l'ondulation aujourd'hui, alors qu'on a fait des hélices pendant... Très bonne question, Alain. J'ai l'impression qu'il y avait certaines ruptures, certaines difficultés technologiques que l'on a su surmonter assez récemment grâce à tout ce qui est électromagnétisme, moteur électrique. Finalement, transformer quelque chose qui roule en une hélice, ça a été plutôt assez simple, je dirais, au niveau de l'adaptation, je pense. Maintenant, partir de la feuille blanche et de transformer ce mouvement rotatif en ondulation, ça a dû être tout autre chose. Et c'est pour ça que très récemment, on a su surmonter ces défis technologiques et proposer notre moteur de bateau à nageoire. Bon, c'est toujours épatant. Et Dominique Machefer, là, avec vous, là aussi, on va redécouvrir quelque chose d'omniprésent sur Terre. Absolument génial, on connaît les qualités de solvant de l'eau, mais vous avez tous en tête c'est notamment ces machines qui nettoient les sols dans les grandes surfaces, un peu partout, pour nettoyer des choses qui ne sont pas toujours très très sales. On utilise beaucoup de produits chimiques, alors qu'il y a un truc qui s'appelle l'eau ozonée, qui fait la même chose, qui est beaucoup plus, on va dire, agréable pour notre environnement et pour nous-mêmes. Vous avez créé Ecolife Group et vous avez développé des substituts aux produits chimiques à partir de l'eau ozonée. Merci Alain, bonjour à tous. Mais écoutez, effectivement, alors, j'entendais hier et encore aujourd'hui que tout ce qui est biomimétique n'est pas forcément vertueux. Et je pense avoir un petit cas d'école, puisque l'ozone, tout le monde a déjà entendu parler de l'ozone. Alors on connaît l'ozone dans la stratosphère, la couche d'ozone. Donc on a ce côté un petit peu protecteur où on sait qu'il faut protéger la couche d'ozone. Et pourtant, dans les médias, souvent l'été, on entend parler de la pollution à l'ozone. Et j'entends rarement, ou en tout cas je n'ai jamais vu à la télé, une vraie explication qui permet de comprendre qu'est-ce que le bon ozone et qu'est-ce que le mauvais ozone. Et donc là, je vais vous donner la réponse. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ozone est déjà un gaz. Voilà, c'est un gaz. La formule chimique de l'ozone est O3. Donc il y a un petit mémotechnique, c'est qu'à la base, en français, ça se dit trioxygène. Donc ozone, c'est un terme anglais, mais à la base, on dit trioxygène en français, ce qui permet de comprendre tri, 3, oxygène. Voilà, donc c'est trois atomes d'oxygène qui sont liés entre eux. Bon, il y a un petit paradoxe que j'adore expliquer, qui est comment la nature fabrique l'ozone. Donc ça, c'est une petite question qu'on me pose souvent et à laquelle j'y réponds avec beaucoup d'enthousiasme et en expliquant ce paradoxe. C'est que pour fabriquer de l'ozone, il faut deux choses. Il faut du dioxygène, donc deux atomes d'oxygène, ce qui est dans l'air ambiant, ce qui nous permet de vivre, et puis du soleil. Parce que le soleil, c'est l'énergie qui va permettre de dissocier ce dioxygène pour avoir des atomes libres. Et ces atomes libres, dans la nature, ils n'aiment pas être seuls. Donc ils vont se relier à du dioxygène qui n'aura pas été encore délié.
et là forment le trioxygène. Et donc c'est un paradoxe, pourquoi ? Parce qu'on a besoin du soleil pour créer ce trioxygène, et ce trioxygène va nous protéger des mauvais UV du soleil. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est un paradoxe. Alors après, l'ozone a été découvert hier. Quand je dis hier, c'est par rapport aux 4 milliards d'années de la nature. C'était en 1789. Bon, date plutôt facile à retenir, la Révolution française, malgré que ce soit un Hollandais, Martin van Marum, qui a découvert ça, simplement en passant un courant électrique dans un tube à essai. Il s'est aperçu que le dioxygène se séparait en atomes d'oxygène libre et qui se reconditionnait en trioxygène, et que ce trioxygène était instable. Bon, les années sont passées, et c'est qu'en 1901 qu'on a commencé à industrialiser l'ozone, et pour le coup, là, c'est la France et la ville de Nice qui a été la première ville mondiale à pouvoir tester l'ozone dans la décontamination des eaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'ozone, puisque c'est un superoxydant, trois atomes d'oxygène, superoxydant, pour pouvoir décontaminer les eaux. Et donc, du coup, la ville de Nice, en 1901, a proposé cette technologie pour décontaminer les eaux avant de redistribuer l'eau potable aux habitants. Donc, du coup, on utilisait l'ozone pour désinfecter l'eau, et puis après, on la redistribuait aux habitants. Bon, aujourd'hui encore, Suez utilise des générateurs à ozone. C'est des générateurs, bien évidemment, qui ont évolué, mais encore aujourd'hui, on utilise la technologie de l'ozone pour désinfecter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aujourd'hui, on utilise des produits chimiques, et qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour qu'on puisse proposer de l'ozoner ? Bon, ce que j'expliquais, c'est que l'ozone est instable. De fait, lorsque vous créez de l'ozone, simplement avec un courant électrique en séparant le dioxygène, comme je l'ai expliqué, eh bien, ça va attaquer toute forme de vie. C'est non sélectif. Donc du coup, après quelques minutes, ça redevient du dioxygène. Et donc du coup, la vraie révolution, et c'est celle qu'on propose aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer une eau ozonée stabilisée. Donc le constat, il est où ? Si on utilise l'ozone pour décontaminer l'eau des habitants avant de la redistribuer, eh bien, ça veut dire que l'eau que les habitants peuvent boire, elle est bonne. Okay ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on introduit de l'ozone dans de l'eau qui aura été déminéralisée, donc retirée de toute forme de sédiments ? Eh bien, on s'aperçoit que l'ozone perdure. Elle ne se détruit pas aussi vite que prévu. Et de fait, le fait qu'on puisse déminéraliser l'eau et introduire de l'ozone ensuite, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut donc utiliser cette eau non pas pour la désinfecter, pour la redistribuer aux habitants, mais pour pouvoir désinfecter des surfaces. Donc du coup, on va utiliser cette eau ozonée pour désinfecter, décontaminer des surfaces. Donc le principe, il est très simple. J'ai ramené quelques petites slides, peut-être qu'on peut les voir en même temps, comme ça, ça permettra d'avoir un vrai visuel sur la machine. Tout à fait, on a effectivement quelques explications en images pour l'eau ozonée. Voilà, donc là, on a une vue concrète de ce qu'est la machine. Donc on a sur la gauche, la cartouche qui va permettre de déminéraliser l'eau. Donc là, on a vraiment tout ce que représente un petit peu le biomimétisme, c'est-à-dire qu'on a une technologie qui ne demande pas du tout d'électricité, je parle juste de la cartouche, qui ne demande pas juste d'électricité, c'est juste, voilà, on va faire passer de l'eau dans cette cartouche, qui est de la matière organique, avec du charbon, etc., un peu le principe d'un filtre Brita, mais bien poussé, pour pouvoir la déminéraliser au maximum, qui va permettre donc de déminéraliser l'eau, et l'eau va ensuite passer dans la machine qui, elle, va tirer l'électricité via une prise électrique standard de 120 volts, et elle va avoir besoin de 4500 volts pour dissocier le dioxygène. Alors, il y a un petit terme qui est malheureusement qui existe depuis des années et qui n'est pas nouveau, mais qui est forcément tendance aujourd'hui, si j'ose dire tendance, mais en tout cas, c'est la crise sanitaire qui permet aujourd'hui de développer des technologies. Heureusement qu'on n'a pas plongé dans les produits chimiques avec cette crise, mais dans la technologie Tersano proposée par Ecolife, on utilise l'effet corona. Donc ça, c'est un terme qui a déjà plusieurs années, l'effet corona, parce qu'on va créer un arc électrique grâce à un générateur d'ozone à l'intérieur qui va séparer le dioxygène. Et cet effet corona, eh bien, il va prendre, enfin, c'est pas l'effet corona, mais c'est-à-dire que la technologie va prendre l'air ambiant, va prendre le dioxygène, et avec l'effet corona, on va dissocier le dioxygène pour le reconduire en trioxygène. En amont, comme je l'expliquais, l'eau est filtrée, et donc du coup, elle est chargée en ozone à ce moment-là. Donc voilà, donc là c'est le principe de l'ozone. Une fois que l'ozone rentre en contact de la bactérie et du virus, elle lâche un atome d'oxygène, ça fait une explosion, ça détruit tout et ça redevient simplement du dioxygène. Donc dans de l'eau ozonée, lorsqu'on l'applique sur une surface, on laisse agir une minute, temps de contact très réduit. Alors je ne suis pas là pour faire un comparatif par rapport aux produits chimiques, mais pour donner un ordre d'idée, généralement les faiseurs de produits chimiques sur de la désinfection, surtout avec les normes qu'ils doivent respecter en ce moment, c'est souvent 5 minutes de contact. Aujourd'hui, avec l'eau ozonée, c'est une minute de contact et on n'a pas besoin de rinçage avec de l'eau. Voilà, donc voilà ce qui se passe. C'est l'eau ozonée rentre au contact des bactéries, des virus et redevient simplement de l'eau. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer, j'ai beaucoup d'admiration pour Yves Calvi, je suis super content de le citer aujourd'hui, je fais mon Calvi. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on peut désinfecter avec de l'oxygène.
Du trioxygène, tout à du fait. Du trioxygène, d'accord, mais c'est la molécule d'oxygène qui va exploser à la surface. Absolument. Là. Mais concrètement. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on utilise plein de produits chimiques partout et qu'on imbibe toutes nos surfaces de plein de produits chimiques? Mais écoutez, je voulais rebondir tout à l'heure sur la question que vous avez posée, c'est-à-dire à quel moment on est passé à côté, pourquoi on n'a pas été dans une évolution plus rapide sur les nouvelles technologies. Pour moi, le gros marqueur, ça a été la Première Guerre mondiale et peut-être la Deuxième Guerre mondiale, puisque comme je vous le disais, la technologie de l'eau ozonée, de l'ozone, surtout dans la décontamination des eaux par la ville de Nice, elle a commencé en 1901, donc après la Première Guerre mondiale. Bon, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu trouver des solutions pour redynamiser l'économie, le peuple, etc. Et donc forcément, quand vous avez une technologie qui utilise un générateur qui est relié à l'électricité avec des personnes qui doivent contrôler la concentration d'ozone présent dans l'eau pour bien vérifier que c'est bien efficace et que du jour au lendemain, vous avez un petit chercheur qui sort de son labo et qui vous dit « Oh, j'ai une pastille de chlore, vous pouvez la plonger et c'est bon, il n'y a plus rien à faire derrière. » Eh bien, effectivement, il y a un schéma économique là qui crée justement une rupture. Bon. Aujourd'hui, on sait tous que si on veut transiter le plus rapidement possible, il faut qu'on propose des solutions qui sont à la fois écologiques et économiques. Aujourd'hui, le chlore, on ne peut pas le mettre dans un aquarium. De fait, l'ozone a perduré dans ces milieux. Parce que pour les aquariums, pour les milieux aquatiques, on peut utiliser toujours de l'ozone. Et donc, du coup, l'ozone, enfin les générateurs d'ozone, ont permis de se développer. Et il a fallu quand même attendre quelques années pour qu'on puisse se rendre compte de ça. Donc les premières technologies d'ozone dans le nettoyage, elles ont été faites avec des autolaveuses Floorpool, dont j'ai fait partie de l'équipe pour le développer, qui mettaient des générateurs d'ozone dans les autolaveuses pour directement traiter le sol. Par contre, on n'avait pas encore résolu le problème de la stabilité de l'ozone dans l'eau, puisqu'on avait besoin de la stabilité. Et c'est après qu'on a compris qu'il fallait déminéraliser l'eau pour pouvoir stabiliser l'ozone dans l'eau. Bon, vous avez une dernière diapo à nous montrer ou pas? Bah, je, non, je... pas nécessairement. Oui, pas nécessairement. Pas nécessairement. J'adore parce qu'on redécouvre des choses. Alors, c'est aussi l'analyse de la crise que nous vivons. Je ne parle pas de la Covid-19 uniquement, mais des grandes crises qui se combinent depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que on est en quête de solutions alternatives et d'une certaine manière, comme on le dit souvent, ce qui est nouveau, ce n'est pas nécessairement le biomimétisme, mais ce sont nos enjeux. Et c'est parce qu'on a un besoin vital de retrouver, de redécouvrir des solutions qui pourtant existent depuis et ont été démontrées depuis un certain nombre d'années, qu'on va sur ces approches-là. Juste un mot en matière de développement aujourd'hui. Je ne parle pas de 2020, on oublie 2020, mais 2021 et la suite. C'est appliqué aujourd'hui, c'est un développement qui est en cours. Dites-nous un petit peu où vous en êtes et quels sont les secteurs qui finalement utilisent votre solution. Bon, très rapidement, pour 2020, hein, concrètement, on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à 2019 parce que la crise sanitaire. Voilà. Ça, on fait partie des personnes qui ont été justement épargnées puisqu'il a fallu avoir des solutions pour la désinfection, respecter la norme 14476, qui est la norme demandée par le gouvernement, pour lutter contre ce virus. Donc on a doublé le chiffre d'affaires. Les perspectives pour 2021 sont très bonnes. Et les applications, eh bien, elles sont juste très nombreuses, puisqu'on peut l'appliquer dans les bureaux, dans les collectivités, dans les crèches, les écoles, aussi dans les hôpitaux, même gré qu'il y a les parties communes et aussi les patients. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'eau ozonée dans un bloc opératoire, mais on peut y arriver avec un peu plus de recherche, donc ça c'est en cours, mais malgré tout, le monde de la santé représente une petite partie du nettoyage, parce que mine de rien, entre les particules et les professionnels, quotidiennement, tous les jours, c'est des produits chimiques qui sont rejetés. Et encore une fois, je ne suis pas le seul à le dire, mais on n'a pas des océans, on a un océan. Donc quand on nettoie avec de l'eau de Javel, et je tiens quand même à rajouter que la France est encore le deuxième consommateur d'eau de Javel en Europe, donc les choses ont encore beaucoup de choses à évoluer, on a encore beaucoup de choses à faire, mais on a qu'un seul océan, donc si on rejette des produits chimiques ici, ça fait le tour de la planète. Oui, océan ou terre, de toute façon, à un moment donné, ça arrive quelque part et c'est pas bon. Alors voilà, démonstration avec ce chiffre d'affaires de d'EcoLife Group avec cette solution ozonée que, ben voilà, quand on est confronté à une crise et notamment écologique et biodiversité, on se retourne vers le vivant pour nous proposer des solutions assez innovantes, très innovantes. J'adore, c'est la rupture dans l'évidence, quoi, d'une certaine manière. On redécouvre la force des solutions inspirées du vivant. J'ai deux, trois questions, notamment une pour vous, Laurent, pour Push4M. Quelle est la différence entre le muscle biomimétique et le piston hydraulique qui fonctionne aussi en poussée?
La différence, je dirais que c'est plutôt que pour moi, il n'y a pas vraiment de rapport. Le piston, lui, il est, on a deux tubes avec, qui coulissent l'un dans l'autre. Et ça s'arrête là. On a une poussée sur un bras, effectivement, et ça fonctionne comme ça. Nous, on peut avoir un petit moteur, n'importe lequel. On va compresser ou détendre un muscle qui gonfle et c'est le gonflement de ce muscle là qui va pousser sur des centaines de points différents sur une sangle qui est posée sur ce muscle là et c'est cette sangle qui elle va tirer ou relâcher un élément qui est au bout. Donc on voit les modalités de fonctionnement n'ont juste rien à voir, même si dans les deux cas on a un bras articulé quoi. On a un bras articulé, mais c'est peut-être parce que tout à l'heure, dans la vidéo, faisait mention du fait que le muscle push 4M ne tirait pas, mais poussait. Et peut-être que la question, c'est le verre hydraulique, lui aussi, il pousse. Mais on parlait du fait que ça ne tirait pas, que ça poussait, lorsqu'on est sur un bras que l'on va essayer de remonter, comme son bras à soi. Et là, dans un système classique, le moteur est en traction. Il va tirer sur le bras. Dans le cas du muscle, en fait, le muscle lui va pousser sur une sangle, et c'est la sangle qui va tirer derrière. Donc évidemment, la transformation énergétique est complètement différente, mais c'est celle de notre bras. Hein. Notre bras, on a des tendons de partout, et les tendons ce sont des sangles d'une certaine façon. D'accord. Effectivement. Non, c'est perturbant parce que vous avez parfaitement raison, mais c'est vrai qu'il faut réussir aussi, nous, à casser nos schémas de représentation qui ont été alimentés par des dizaines, des cinquantaines, des années de dessins industriels qu'on a en tête. J'ai une autre question pour quelques autres camarades, mais allez-y. C'est juste pour ça qu'on n'aime pas les comparaisons un pour un. Oui. La comparaison qu'on veut, c'est des comparaisons d'usage, parce que l'usage n'est pas fait de la même façon. Et je crois que notre point de vue, la nature raison que l'histoire industrielle. Mais... Ça, c'est très important. Il n'y a pas de modèle unique dans le vivant. On est toujours adapté à son usage, à son environnement, absolument. J'ai une question pour vous, Marion. On a beaucoup parlé hier lors d'une formidable table ronde sur l'agriculture, des effets bénéfiques et écosystémiques de la biodiversité. On a parlé de permaculture, on était avec Périne Hervé-Gruyer de la ferme du Bec-et-Loin notamment. La question est la suivante, quel avantage votre solution a-t-elle par rapport à d'autres alternatives comme la permaculture ou les oiseaux? Ces options peuvent-elles être envisagées ou peut-être combinées? Alors nous, déjà, le principal avantage qu'on a, c'est qu'il y a quand même un système ingénieux derrière où la diffusion est automatisée, le piégeage est automatisé, les doses sont automatisées. Enfin voilà, il y a quand même un travail de machine et à plus petite échelle que les personnes autour, que les personnes ici, mais une petite échelle industrielle quand même, qui est moins aléatoire que la permaculture, par exemple, ou l'utilisation d'oiseaux, ou même l'utilisation d'auxiliaires. On parle aussi parfois de lutte biologique à proprement parler. Et bien, c'est l'utilisation de prédateurs naturels, des prédateurs naturels, dans mon cas, de la mouche de l'olive. Ça existe, mais c'est très aléatoire. Il y a beaucoup de réglementations derrière, beaucoup de coûts derrière. Et puis, c'est surtout, voilà, je le répète encore une fois, le côté aléatoire. Nous, on essaie de minimiser ça. Merci Marion. Une question pour votre assemblée, pour qui veut répondre, sur la dimension économique, investissement. Comment réagissent les partenaires industriels, financiers, économiques à vos histoires d'innovation bio-inspirée? Quelle est un petit peu la tendance du côté attractif de ces histoires d'innovation inspirée du vivant? Peut-être Harold. Eh bien, j'ai l'impression que ces partenaires financiers sont à la recherche de start-up et de solutions innovantes. Et effectivement, aujourd'hui, on voit qu'on arrive un peu au bout des solutions que l'homme a pu imaginer seul dans son coin. Et se tourner vers le biomimétisme, eh bien, ça prend, c'est là où ça prend tout son sens et que l'on peut, avec ces solutions bio-inspirées, eh bien, proposer des solutions complètement disruptives.
Donc effectivement, nous, nos investisseurs sont de plus en plus intéressés et ceux qui nous contactent se demandent effectivement comment faire mieux, comment imiter au mieux la nature. Et c'est pour ça qu'on est fiers à la fois de proposer une solution biomimétique et on sait, même si la start-up est jeune, on sait que l'on va également dans la bonne direction. Laurent de Crasto, peut-être nous rappeler que le biocontrôle, c'est déjà un gros marché, plusieurs milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez un chiffre. Quelle est la tendance, entre guillemets, entre bio-inspiration, biomimétisme, biocontrôle? Quelle est la croissance du marché sur des solutions comme les vôtres? On a plutôt envie de penser que c'est forcément une croissance positive parce qu'on a besoin de solutions alternatives. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot complémentaire sur le marché, finalement, sur l'évolution du marché sur lequel vous vous positionnez? Oui, Alain, alors le marché des produits phytosanitaires au niveau mondial, c'est un peu plus de 120 milliards de dollars. Si on cumule, on va dire, la vente de l'ensemble des produits pesticides, donc insecticides, herbicides, fongicides, bactéricides, sur les 5 continents. Donc, c'est un marché qui est extrêmement important. Le biocontrôle là-dedans, aujourd'hui, se développe principalement en France et en Europe. C'est vraiment la zone qui appelle de ses voeux ce type de produit pour deux raisons. La première, c'est que l'Europe a refusé les OGM. Et refusant les OGM, elle n'a pas de solution, je dirais, pour lutter, enfin d'autres solutions pour lutter contre les pathogènes que des pesticides, et que, on le sait tous, depuis à peu près 5 à 10 ans, l'Europe mène un combat très poussé contre les produits chimiques, notamment les plus dangereux, mais pas que. Et donc cette situation qui fait qu'elle n'a pas la technologie des OGM pure, et elle chasse de plus en plus à juste titre les produits chimiques des champs, pousse en fait pour que les produits naturels, dont le biocontrôle est le fer de lance, puissent se développer. Donc c'est une croissance à deux chiffres aujourd'hui. Mais quelle est la part du biocontrôle sur ces 120 milliards et quelle est l'évolution de cette part-là? Alors au début, on va dire qu'en Europe, la part du biocontrôle, c'est autour de 7 à 10% du marché, donc c'est encore minoritaire, mais avec une croissance à deux chiffres en Europe. Et les développements sur d'autres zones comme les États-Unis ou l'Asie sont aussi, notamment l'Inde, font aussi à leur manière, poussent en tout cas ces solutions de biocontrôle, mais dans une autre stratégie. La stratégie européenne, c'est vraiment une stratégie réglementaire, c'est-à-dire qu'on interdit d'abord les produits chimiques et donc ensuite on considère que ça va appeler le développement de solutions de biocontrôle. D'accord. Très intéressant. Donc, d'une certaine manière, tant mieux pour la France et l'Europe. On a plutôt un marché favorable à des solutions alternatives. Je reviens si je peux me permettre. Bien sûr. Oui, pardon. Oui, je reviens sur ce qu'a évoqué Dominique et je pense qu'il a raison. C'est ce que dit Harold aussi. C'est ce qu'on voit un peu, à mon avis, dans le biomimétisme. C'est qu'on est sur des concepts technologiques qui sont totalement nouveaux. Si on prend par exemple le problème de l'hélice, effectivement, qui découle en fait du moteur à explosion, si on prend les produits chimiques qui existaient parce qu'il y avait une industrie qui était capable de les produire et donc qui ont pu développer ce marché-là de manière très très importante ces dernières décennies, on a la chose en agriculture. Et Dominique l'a très bien cité, la Seconde Guerre mondiale a été le point de départ de l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la grosse industrie qui a été développée pour mener cette tragique guerre dans les années 40 a poussé l'industrie à faire des chars, des avions, donc à développer une industrie lourde, a poussé aussi l'industrie chimique, évidemment, et a poussé l'industrie des bombes. Et en fait, les produits qu'on utilise dans les bombes, on peut en faire des engrais. Les produits chimiques, on peut en faire des pesticides. Et la grosse industrie pour faire des chars, on peut en faire des tracteurs. Donc en fait, l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'agriculture occidentale qu'on a en France, qu'on a aux États-Unis depuis une cinquantaine d'années, c'est un héritage d'une technologie qui a été développée pour toute autre chose.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, changer de logiciel pour dire ben, on va arrêter de traiter les plantes avec des produits chimiques qui restent dans le sol, qui sont dangereux pour la santé, qui polluent les eaux, c'est compliqué parce que ça a été tellement efficace. Et c'était hérité d'une industrie qui était déjà à la fin des années 40, que c'est compliqué de dire il faut qu'on déconstruise tout ça pour construire un autre concept technologique. Et c'est ce qu'on fait quand on fait du biomimétisme. Finalement, on repart en intégrant des techniques qui ne sont pas uniquement mécaniques et chimiques, mais aussi héritées du biologique. Donc, ouais, ça complexifie, ouais. C'est un peu plus fin, mais c'est beaucoup plus adapté et c'est en général plus efficace, in fine. Très intéressant, effectivement, de reprendre conscience qu'on a beaucoup d'approches industrielles aujourd'hui issues de cet effort de guerre, d'une certaine manière, de cette industrie de guerre. Probablement aussi le besoin de créer une forme de rupture culturelle et d'appréhension de ces solutions-là. De temps en temps, le vivant, c'est un beau décor, c'est quelque chose qu'il faut protéger, parfois un peu mettre sous cloche. On ne le considère pas toujours, même si c'est ce qui nous intéresse, nous, à BioM Expo et dans les approches innovantes bio-inspirées, mais on ne le considère pas toujours comme quelque chose d'extrêmement efficace. Probablement que de temps en temps, Dominique, on vous dit « Oui, c'est sympa ton truc, mais ça ne va pas vraiment laver ». C'est certain que quand on dit qu'on va laver avec une solution qui ressemble concrètement à de l'eau, qui n'a pas d'odeur, qui ne mousse pas, on choque. Et j'ai un très bon exemple terrain qui m'a beaucoup plu. C'est qu'effectivement, j'étais sur une formation pour une équipe qui allait entreprendre le nettoyage des locaux. Je devais former le personnel. Et quand j'expliquais qu'il n'y a pas d'odeur, etc., forcément, ça a choqué. Ça a choqué. Je pose une question toujours, c'est quelle est l'odeur du propre ? Est-ce que vous pouvez me répondre pour le coup voilà. Non, c'est malin. Je vous vois venir. Ça sent l'eau ozonée ? L'odeur du propre, c'est pas d'odeur. C'est pas d'odeur. C'est pas l'odeur de la javel, c'est pas l'odeur du pain, c'est pas l'odeur de la fraise, c'est pas l'odeur de ça. Et donc, du coup, quand on a passé des années et des années à faire un boulot où on a l'odeur du pain, que ça mousse, etc., on a tendance à penser que si on rentre dans une pièce et que ça ne sent pas la javel, c'est que ce n'est pas propre. Or, c'est complètement l'inverse. C'est que s'il n'y a pas d'odeur, c'est que c'est propre. S'il y a une odeur, c'est que ce n'est pas propre. Parce que c'est très facile de mettre un bouchon d'eau de javel dans les toilettes. Bon. Alors après, le petit exemple que je voulais vous donner, c'est que concrètement, une femme m'a dit « Votre truc, ça ne va pas marcher, on ne peut pas laver avec de l'eau. » Je dis « Écoutez, si... » Ça aurait pu être un homme, hein, je précise. C'est vrai, mais c'est là, pour le coup, c'était une femme. Et du coup, je lui dis, écoutez, essayez. Et elle a pris l'eau ozonée. Et l'eau ozonée, lorsqu'on se sert de l'eau ozonée avec la machine, il y a une toute petite légère odeur qui ressemble à l'odeur de pluie, d'orage. Voilà. Et du coup, elle rebondit, elle se bloque et elle me dit, mais c'est exactement l'odeur de l'eau que récoltait ma mère après l'orage quand j'étais petite au Maroc. Et elle dit, elle utilisait ça parce qu'elle s'était aperçue que l'eau de l'orage nettoyait beaucoup mieux. Et je lui dis, écoutez, c'est exactement ça. Et donc, du coup, j'ai convaincu quelqu'un qui m'a permis de convaincre toute l'équipe en 2 secondes, simplement par cet exemple. Donc, génial. Oui, effectivement, on peut choquer en nettoyant qu'avec de l'eau. Maintenant, j'ai tendance à dire, et ça, c'est un petit culture rugbystique, c'est il n'y a que la vérité du terrain qui compte. Ça, c'est vrai. Senteur, pluie d'orage, c'est pas mal, ça aussi. Pierre Tufigo, il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste que vous nous rappeliez ce qui fait que aujourd'hui vous êtes capable de développer ce type de technologie et que vous ne pouviez pas forcément le faire il y a 10 ans ou 15 ans. Je ne parle pas de la connaissance en matière de recherche, mais de la capacité à le manufacturer, à le produire aujourd'hui. Il y a effectivement le premier aspect qui est le caractère assez nouveau et la découverte assez récente de ce mode de détection. L'autre aspect, c'est un aspect, en gros, en particulier d'un point de vue électronique, c'est les connaissances, les composants électroniques, les puissances de calcul qui ont très largement évolué. Et dans notre système là, dont je parlais, qui fait 50 cm de long, 5 kg, on y retrouve du processeur, des FPGA, des microprocesseurs, etc. Et donc, en fait, c'est quand même cette évolution de la puissance de calcul dans des encombrements réduits qui font que on est aussi capable de traiter ces données, là, en l'occurrence, des données qu'on va appeler des données sens électriques, de manière suffisamment rapide, suffisamment efficace, précise, pour donner une réponse qui répond aux besoins. Donc, il y a quand même cette évolution
la puissance électronique, qui est un facteur très important et qui permet la mise en œuvre industrielle de ce sens, de ce mode de perception en l'occurrence. Mais on pourrait prendre un autre cas. Et il faut savoir que ce poisson, là, ces poissons électriques, ils ont un gros cerveau en rapport avec leur taille. Donc ce sont des poissons qui sont très intelligents, mais qui ont aussi besoin de beaucoup de capacités de calcul pour mettre en œuvre ce mode de perception. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont les capacités des puissances de calcul électroniques qui permettent de rendre utilisable. Oui. Ça, c'est un point très important. On a l'habitude de dire que nous partageons, nous, en tant qu'espèce humaine, surtout beaucoup d'énergie, alors que le vivant partage surtout beaucoup d'informations. Merci beaucoup pour cette magnifique séquence. Merci beaucoup L-Wave, Immunrise, CRITIS, Phoenix, Push4M et Ecolife Group pour votre participation à cette émission Startupper bio-inspirée de la Biomim Expo Digital Week. On clôture cette émission là ce matin. On se retrouve dans pas très longtemps. Ça va être la transition avec vous, Marion, pour la finale du Biomim Challenge. 10 finalistes vont pitcher 3 minutes. Ça va être vraiment très intéressant. C'est un exercice un peu difficile pour eux, mais vraiment intéressant. Vous allez voir plein d'exemples d'innovation bio-inspirée, là pour le coup, en une seule émission, qui vont être complémentaires à ceux que vous avez vus ici. On retrouve à 11h30 nos 9 membres du jury et nos 10 finalistes. Et en direct live, à la fin de l'émission, on remettra les prix du trophée du Biomim Challenge 2020, pour lequel nous sommes accompagnés par Engie. On se retrouve à 11h30, à tout à l'heure. Merci.